Non, elle peut l'entrer, je ne pense pas que c'est ce que vous avez. Hein? Hein? Ok. Big up, big up, big up, big up, big up, big up, la famille, on est là. On a quand même. Nous avons David Mberekouma, l'homme politique gabonais. Il dit toujours qu'il connaît tous les hommes politiques, ou soit. Des monoposés politiques. Je les connais tous. Tu les connais tous. Un seul qui peut dire, je ne le connais pas. Ah bon? Du Beauvais de Moutassou, en passant par l'actuel premier ministre. Ouais, ouais. En passant par Blaboy, la machine. Ouais. Je les connais tous. Ok. Allez, donc, on y va encore mieux. Ouais. Donc, il n'y a personne qui peut s'échapper des mains de l'univers. Voilà. Ok, d'accord. Bon, l'occasion faisant le larron. Est-ce que tu peux me dire quelque chose à propos du Blaboy? Parce que je comprends qu'il y a un rebondissement sur l'affaire du Blaboy. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, effectivement, il vous souviendra que Brice Lacouche-Alenga, ancien directeur du cabinet du chef d'État, ce jeune compatriote que nous avons connu avec plein d'humanité, avec plein de charisme, avec plein de générosité, cet acteur politique le plus brillant qui a marqué l'histoire politique, économique et sociale de notre pays. D'ailleurs, qu'on le veuille ou pas, je peux le dire, hein, sans toutefois me tromper, que c'était le meilleur cabinet, le meilleur directeur de cabinet du chef d'État que nous avons connu de tous les temps. Brice Lacouche-Alenga s'est caractérisé par des actes empreints d'humanité. C'est quelqu'un qui a vite compris ce que c'est que la politique, à savoir que la politique consiste à être à l'écoute des populations. Il était un simple administrateur économique et financier, sorti justement de l'IGFIC. Et ouais. Brice Lacouche-Alenga a créé son réseau. Son réseau qu'ils ont appelé l'association des jeunes émergents volontaires, donc l'AGER. Et grâce à ce réseau de banquiers et d'acteurs politiques, astucieux, il a pu séduire justement le cœur du chef d'État déchu, Ali Bongo Ondimba. Et c'est ainsi que Brice Lacouche-Alenga, grâce à ses actions sur le terrain, a pu également conquérir le cœur du peuple gabonais. Et il va terminer justement directeur de campagne du chef d'État, chargé des associations. Et celui qui le talentait, c'était Vivian Monspia Makaga, qui s'est chargé de gérer également une autre groupe puisque d'association du Parti démocratique. C'est ainsi que Brice Lacouche-Alenga va parvenir à faire élire le chef d'État dans un contexte de plus décrié. Donc, l'élection du chef d'État a été décriée par le plus grand nombre de compatriotes gabonais parce que le commun de mortel disait à cette époque-là que c'est Jean-Ping Opoka qui aurait gagné les élections. Et Brice Lacouche-Alenga va être au cœur, justement, de la réaction, de la réélection du chef de l'État, en appelant à l'ensemble, justement, des acteurs politiques et étatiques au ressaisissement. Parce que la ville brûlait et le général ne m'a pas, ne me le démentira pas. Et c'est Brice Lacouche-Alenga qui va sonner le glas par une alerte des ATB consécutive à une marche. Et grâce à cette marche-là, eh bien, il va demander le ressaisissement du peuple gabonais, de sauvegarder l'essentiel qui était la paix, la concorde, l'unité, cette table qui nous a toujours caractérisé. Et c'est ainsi que beaucoup d'acteurs politiques vont faire sire en acceptant cette main tendue. Et c'est ainsi qu'Ali Bongo Ondimba va s'asseoir justement pour son deuxième mandat à la tête de notre pays. Et par reconnaissance, Ali Bongo Ondimba, sachant bien que tous ses soutiens l'avaient abandonné pendant cette période et que Brice Lacouche-Alenga s'était caractérisé par ce courage, cette dextérité qui manquait justement à l'ensemble de soutien d'Ali Bongo Ondimba,
Ali va le nommer d'abord directeur général de la CENI, Société Nationale de Navigation Intérieure. Ensuite, il va être nommé directeur de cabinet du chef d'État. Et lorsque Brice Nakouchalanga va arriver directeur de cabinet du chef d'État, il va débouler un programme. Le programme qu'il a qualifié de l'or jaune, donc la lutte contre les privilèges indus, l'égalité des chances pour tous les Gabonais, la lutte contre la corruption, et Brice Nakouchalanga va mettre un véritable empire. Donc la GEF va prendre une dimension encore plus glorieuse, parce que Brice Nakouchalanga va nommer plusieurs personnes. Tous les malfamés des quartiers sous-intégrés, vous les connaissez très bien, ces fils des prolétaires, sans véritable intelligence, sans véritable profil qualificatif d'emploi, sans diplôme, certains vont se retrouver comme ça, par enchantement, par extraordinarité, comme maire, comme député, comme sénateur, comme conseiller du président de la République, chef de cabinet, et nombreux vont bénéficier de la générosité, voilà, ministre, vont bénéficier de la générosité de Brice Nakouchalanga. Malheureusement, cette période également de la survenue de Brice Nakouchalanga à la tête de la direction générale du cabinet de chef de l'État va entraîner beaucoup d'appétits gourmands. Vous connaissez les extrémistes techniques, et vous connaissez leur appétit gourmand du pouvoir avec d'autres conspirateurs, délateurs et calomniateurs, contemplateurs du pouvoir, vont une fois de plus lancer l'assaut contre Brice Nakouchalanga. Et sans compter la cohorte justement de l'autre côté, donc le Bénin, les adeptes du Vaudou, le Vaudou qui a été rejeté d'ailleurs en Égypte par Moïse, ces gens-là vont constituer des véritables entraves pour détruire la trajectoire progressive de Brice Nakouchalanga. Et moi, David Mbelakou, qui vous parle, je dis, je suis un interlocuteur privilégié. Ali Agongo Ondimba va aller à Riyad en Arabie Saoudite. C'est moi, David Mbelakouma, qui a le micro au siège du Parti démocratique gabonais pour aller venir faire le bilan du processus électoral qui avait été enclenché, c'est-à-dire les élections locales et législatives. Malheureusement, les élections législatives et locales vont être boycottées par le notable de Thébon, cet acteur politique le plus décrié, et je l'avais toujours dit que Jean-Yéguendon est une femmelette. C'est un acteur politique qui n'a pas d'ambition. Non seulement il n'a pas d'ambition, mais il ne respecte jamais ses engagements. C'est lui qui va lancer le boycott électoral, qui va permettre d'ailleurs au Parti démocratique gabonais d'avoir une chambre bicamérale monocolore. Et c'est ainsi que le PDG va rejeter l'activité politique, économique et sociale de notre pays pendant ces 14 années. Malheureusement, Ali Bongo Ondimba va aller à Riyad en Arabie Saoudite. En bonne santé, moi je suis témoin. J'ai reçu ce jour-là, pour ma prestation de 2 minutes au micro, une somme de 1 million de francs CFA qui avait été donnée par le chef d'État, par le canal Ibis Nakouchalanga. Et une fois à Riyad en Arabie Saoudite, nous allons apprendre par les médias, par le porte-parole de la présidente de la République à l'époque, Aïk Ngouni, que le chef de l'État aurait été victime d'un accident sévère, disons d'un accident cardiovasculaire. Mais pour les véritables médecins, il a été frappé d'un accident cardio-cérébral. C'est que c'est le cerveau qui avait été atteint parce qu'il y a eu le caillot à l'intérieur du cerveau du chef de l'État. Donc, Ali Bongo Ondimba va s'en tirer à bon compte grâce à la dextérité du président du Maroc, mais également à celui de l'Arabie Saoudite, là où il y a toute la technologie, tous les progrès techniques en matière médicinale, et Ali Bongo Ondimba va sortir progressivement du Sokouma. Et lorsqu'Ali va sortir progressivement du Sokouma, eh bien, la bataille pour la succession va s'encharner au sommet de l'État. Et c'est ici que vous entendez que Brice Nakouchalanga aurait mis un scénario. La famille, la vidéo a tâté, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, donc on lui dira que Brice Nakouchalanga aurait mis un scénario de son vie et vous verrez Nakouchalanga dans une Mercedes décapotable avec Ali Bongo Ondimba, avec le fils de Mourantieu, Fabrice Fandjoie, ouais. Voilà, l'ancien directeur
général du budget, la comptabilité publique, et ils vont sillonner la ville pour assurer au peuple gabonais que Ali Bongo Ondimba était bel et bien vivant et que la thèse de sosie était une seule thèse préfabriquée. Mais le commun de Montréal va tout de même constater une certaine différenciation du prototype d'Ali Bongo Ondimba. Et on aura un Ali Bongo Ondimba tantôt brun, tantôt noir, tantôt 1m90, tantôt 1m70. Donc toutes les supputations vont partir de là. Et nombreux sont également comme David Berakouma, qui émettait un certain nombre de doutes sur le véritable Ali Bongo Ondimba à la quête du pays. On va retrouver un Ali Bongo Ondimba, et quelquefois très en forme, avec sa gestuelle, avec sa rhétorique, avec sa verbe langagière. On va retrouver également un autre Ali Bongo Ondimba, tantôt fatigué, et tantôt démuni, et tantôt, et jusqu'à présent, on ne sait réellement pas ce qui s'est passé, mais d'aucuns disent qu'il y a un véritable complot à la tête de l'État. Et ces gens-là vont constituer leur thèse pour neutraliser Brice Lacouche-Alenga, les extrémistes têtus, avec d'autres conspirateurs, membres de la famille du chef de l'État. Jusqu'à ce que Brice Lacouche-Alenga va se retrouver avec plusieurs chefs d'accusation. On va d'abord le débarquer à la direction générale du cabinet du chef de l'État. Il va devenir un simple ministre. Et à la fin, ils vont démanteler justement la nébuleuse AGBN grâce au concours des membres influents du Parti démocratique gabonais, avec les extrémistes Teke, avec les Béninois Ousseni, avec l'ensemble d'autres cohortes qui gravitaient autour de la succession d'Ali Bongo Ondimba. Et en ce moment-là, Brice Lacouche-Alenga va se retrouver avec plusieurs charges d'accusation. La première charge d'accusation, il va être poursuivi pour falsification d'un acte de naissance. Il vous souviendra que l'acte de naissance de Brice Lacouche-Alenga a été établi par des magistrats dans une période antérieure où il était enfant. Et vous savez tout comme moi qu'il y a le principe de la responsabilité du fait personnel. La loi dispose qu'on est responsable du dommage qu'on aurait causé à autrui. Imaginez un petit enfant de 2 ou 3 ans, 4 ans, je ne sais pas comment il se serait procuré un acte de naissance, mais nous savons du commun des mortels que Brice Lacouche-Alenga est gabonais, il était le père français, et c'est le général Ayoun qui avait commencé par démanteler la nationalité de Brice Lacouche-Alenga. Et d'ailleurs, mon frère Gaël va se retrouver également dans les jours de la prison centrale de Libreville pour avoir été le premier à dire que Lacouche-Alenga en réalité s'appelait Farjon, qui ne s'appelait pas Lacouche-Alenga, que son véritable patronyme c'était Farjon. Donc, mais nous savons que Brice Lacouche-Alenga, effectivement, son père était Farjon, et qui est d'ailleurs mort pendant que Brice Lacouche-Alenga était en prison. Sa mère également, elle était mariée à Lacouche. Et Lacouche-Alenga est gabonais par le fait de la naturalisation, par le fait du droit au sort, par le fait du droit au mariage. Donc, Lacouche-Alenga, c'est sans conteste, c'est un véritable gabonais. Et malheureusement, donc, il va avoir ce premier chef d'accusation pour falsification ou usurpation d'identité, la nationalité gabonaise, qui va être condamné, mais avec d'autres charges d'accusation, association des malfaiteurs par bande organisée, détournement des fonds publics, concussion. Donc, c'est toutes ces charges-là qui vont permettre que Brice Lacouche-Alenga se retrouve en prison dans les plus pires difficultés. Voilà quelqu'un qui a soutenu le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba pendant pratiquement sa période transitoire. La plus trouble même. Voilà, sa période la plus trouble. Et on récompense ce jeune compatriote-là à monnaie des singes. Voilà comment se comportent les pédéchistes. Voilà comment se sont comportés la famille d'Ali Bongo Ondimba à l'égard de ce jeune combattant. Il va sortir de la prison totalement démuni, ruiné, mais également, et non seulement ils ont ruiné, ils ont volé tous ses biens, mais ils ont volé ce qui est le plus grave, c'est-à-dire sa santé. Parce qu'il a vécu les conditions les plus pires. Parce que lorsqu'il est sorti de la prison, il m'a fait le privilège justement d'aller chez lui. Parce qu'il m'a remercié pour l'avoir soutenu pendant qu'il était en prison, pour avoir fait les directs, pour clamer son innocence. Et il m'a expliqué combien de fois il a souffert en prison, en isolation, combien de fois il avait pour compagnon deux cafards avec qui il communiquait, combien de fois il a souffert du martyr pour avoir soutenu la famille Bongo. Et Lacouche-Alenga est sorti avec un début de cancer de gueule. Et aujourd'hui, c'est un compatriote qui est pratiquement dans une situation
les dernières désagrégations sanitaires. Et là, nous apprenons une fois de plus qu'il va encore être convoqué demain devant les tribunaux de la Cour spéciale de justice chargée de la répression des criminels. Et c'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention du plus grand nombre de compatriotes. Ceux-là qui ont bénéficié de la générosité de Brice Akouchalenga, qui l'ont d'ailleurs abandonné lorsqu'il était en prison, qui ont abandonné sa famille parce qu'en étant en prison, la mère de Brice Akouchalenga a également fait un accident cardiovasculaire. Yann Ngourou a volé la maison de Brice Akouchalenga. Il s'en est installé. On a volé sa nationalité. On a volé son humanité. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas pu détruire, c'est le patronyme Alianga. La seule chose qu'ils n'ont pas pu détruire, c'est son moral, ses convictions, parce que Akouchalenga est sorti de la prison plus que vainqueur. Il a porté avec lui le dorsal de Christ ressuscité à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, Christ est devenu le prototype de Brice Akouchalenga. Donc Akouchalenga a rencontré un Dieu bienveillant qui l'a sauvegardé, qui l'a protégé d'une mort certaine. Et il a tenu d'ailleurs à féliciter Brice Kotor Olivier Guémance par rapport à la prise de pouvoir ce 30 août passé, parce que sans cette prise de pouvoir, malheureusement, on nous retrouvait Brice Akouchalenga totalement décédé, parce qu'il y avait un véritable plan macabre de son assassinat dans la prison de Libreville. Donc nous sommes heureux qu'il soit sorti de là, quoique affaibli, malade, mais il a le Seigneur, le Dieu El Rafa, qui le soutient, qui le protège. C'est pour dire que son appel demain, c'est tellement à comparaître pour d'autres charges d'accusation dans notre tribunal de Libreville, doit également nous permettre de nous remettre en cause, de comprendre que nous sommes tous des humains et que le système étatique, il est comme il est. Vous pouvez être fort aujourd'hui et devenir faible demain. Donc, tous ceux qui ont bénéficié de la gratitude, de la magnanimité, de la solidarité de Brice Akouchalenga est quand même un brin de reconnaissance, un brin de loyauté, de fidélité pour se retrouver demain, justement, auprès du tribunal de la Cour spéciale de justice qui va se charger de le juger pour que nous puissions l'accompagner dans cette véritable épreuve également contre le temps, parce que Brice Akouchalenga a besoin de notre soutien, y compris vous également, Eric Otis. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, mais dans tous les cas, Brice Akouchalenga n'est pas seul à travers ce chant-là. Il y a Tony Ndomba, il y a plusieurs gars de la nébuleuse AGBN. Certains sont sortis, pas extraordinaires, mais il y a d'autres qui sont restés en prison, tels que Tony Ndomba, tels que beaucoup d'autres. Mais nous osons tout simplement croire que la justice gabonaise va véritablement jouer son rôle pour pouvoir dire réellement qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période. Et ce qui est bien, c'est que la Bible dit que celui qui renverse une muraille finira par être mordu par le serpent. Donc, Yann Ngolo, avec Nourdine Bongo-Valentin, qui discutait d'ailleurs le sac avec Brice Akouchalenga, était à l'époque d'Eddie Murphy. Vous avez suivi ce prestigieux film où on parlait d'un prince à New York, où il y avait deux protagonistes, un faux prince qui voulait se faire passer pour le véritable prince, voilà, alors que le véritable prince, c'était justement Eddie Murphy qui se faisait passer pour une manœuvre, pour un fils de protège. Et mon père Ecclésiaste le disait d'ailleurs dans ses écrits, qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait, à savoir que la folie occupait les lieux des élevés. Pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, les rois marchaient par terre. Et par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Regardez comment on arrive à récompenser un tel compatriote qui a fait du bien au plus grand nombre de laissés pour compte sociétaux, les marginaux, les exclus de la croissance économique. Nombreux sont devenus maires par défaut. Parce que, je le répète, ce sont des semi-lettrés, des analphabétisés, des déscolarisés, sans papier, des pieds nus, des bras et des pieds cassés, qui sont devenus comme ça. Des maires dans nos différents arrondissements, certains même à l'hôtel des villes, d'autres sont devenus des députés, des sénateurs, d'autres des ministres, sans certificat d'études professionnelles, certificat d'aptitude professionnelle, un CAP, sans brevet. Et aujourd'hui, ces gens-là ont abandonné Akouchalenga avec sa famille. On a volé tous ses biens, on a volé sa santé, on a détruit sa famille, mais malheureusement, ils n'ont pas pu détruire l'esprit de la chevalerie
parce que la Kouchalanga est un véritable Gabonais, un Gabonais courageux, un véritable patriote audacieux qui n'a pas fléchi devant la Yungté. Mais la Kouchalanga est resté debout. Il n'a pas trahi son patron Ali Bongo Ondimba, ce acteur politique le plus médiocre qui n'a jamais respecté ses engagements, parce qu'Ali Bongo Ondimba est le plus pire personnage de l'histoire de notre pays. Voilà un individu qui n'a jamais compris ce que c'est que la gestion du pouvoir. Ali Bongo Ondimba ne peut pas avoir abandonné la Kouchalanga alors que ce compatriote l'a permis de se maintenir au sommet de l'État. Dans ses plus pires difficultés, la Kouchalanga est arrivée jusqu'à manipuler la Constitution, créer ce qu'on appelait le triumvirat. C'est la Kouchalanga qui a suscité toutes ces restructurations du système étatique pour permettre à Ali Bongo Ondimba de se maintenir au pouvoir. Parce que Ali Bongo Ondimba, en étant Ariane en Arabie Saoudite, il avait déjà puisé sa grâce, à savoir qu'on devait déclencher l'article 13 qui consistait à interpréter d'ailleurs le principe justement de la déclaration de la vacance du pouvoir. Mais Brice Lacroix-Chalenga, intelligent et astucieux qu'il était, il était parvenu à corrompre tout le monde. Corrompre la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mouradjo, cette ménopausée politique également, qui est à l'origine de toutes les difficultés dans lesquelles se trouve le peuple gabonais. Si le peuple aujourd'hui vit dans la précarité, la misère, la plus inabjecte au sauvage, c'est grâce à Marie-Madeleine Mouradjo. Cette femme sans véritable éthique, sans véritable morale, qui n'a pour moralité que la luxure, l'argent, le confort, le bien-être, alors que le plus grand nombre de compatriotes gabonais vivent dans les conditions les plus macabres. Mais la Kouchalanga, que vous le vouliez ou pas, de toutes les façons, il est sous le sceau de la Providence, l'Éternel des armées, le Dieu El Rafa, ce grand chirurgien, ce grand médecin, saura le tirer d'affaire, parce que l'Éternel des armées, on l'appelle le plus grand avocat, celui le plus grand magistrat. On l'appelle le magistrat suprême au glaive. Et aujourd'hui, Nordine Bongo Valentin, avec Yann Ngolo, ne paye que c'est le mal qu'ils ont fait à Brice Lacroix-Chalenga. Et je terminerai d'ailleurs mon propos en remerciant le général de brigade, Brice Côté-Olivier Guémard, qui a sorti le peuple gabonais de cette véritable impasse. Parce que si les péréjistes avaient pour le pouvoir, d'ailleurs, moi, David Ibrahima, j'étais dans la liste de ceux-là qui devaient être liquidés. Et j'avais mis au défi, justement, Hosseini Ossa avec son père. Et j'avais dit Hosseini Ossa de quitter le pays, d'arrêter de conduire le chef de l'État devant nous, parce que le chef de l'État est gabonais, nous sommes des gabonais. Il était hors de question que les Béninois viennent s'accaparer de notre souveraineté, qu'ils viennent comme ça, justement, se moquer de nous. Et je lui avais donné 2 semaines de quitter le pays, parce que s'il ne quittait pas le pays, eh bien, il allait se retrouver dans les plus pires ennuis. Et j'avais prêté serment qu'il allait se retrouver en prison avec Nordine Bongo Valentin, avec Yann Ngolo. Malheureusement, nombreux ne m'ont pas compris. Et le sort en a décidé tel que David Ibrahima l'avait décidé, parce que si c'est un fils de prophète, eh bien, ils se sont retrouvés en prison. Excellence, monsieur le président de la direction de l'État, monsieur, excellent monsieur Brice Côté-Olivier Guémard, à votre qualité de garant des institutions, à votre qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, et en votre qualité actuellement, grâce à la révision prochaine de la Constitution, où vous allez exercer toutes les prérogatives de puissance publique, en votre qualité de chef suprême des armées, en votre qualité également de chef de l'exécutif, je voudrais que vous puissiez faire preuve de justice à l'égard de Brice Lacroix-Chalenga. Ce jeune compatriote a assez souffert comme ça. Il a payé le martyr pendant 4 ans de souffrance dans une des prisons les plus abjectes. On a volé ses biens. Je pense que c'est le moment également de restaurer son honneur, restaurer sa dignité, permettre à ce jeune compatriote de récupérer le peu qu'il puisse récupérer avec un de ses gardes-corps également qu'il avait rencontré, dont on avait tout volé. Ils avaient pratiquement pris tout son argent aujourd'hui. Ce gardes-corps l'adore à la belle étoile. Donc c'est également l'occasion pour vous d'arriver à restaurer la dignité de toutes ces personnes-là, d'arriver à les blanchir pour que ces compatriotes-là puissent continuer à vivre en toute humanité, en toute franchise dans leur pays, et que la Kouchalanga puisse continuer à exercer sa fonction justement d'administrateur économique et financier, qui puisse continuer
à s'occuper de sa famille et continuer justement à prêcher l'évangile et tel qu'il a décidé de le faire. Parce que dans Éphésiens 6:12, la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, nous avons à lutter contre les dominateurs, nous avons à lutter contre les esprits méchants. Ce sont les principautés, ce sont les dominateurs, les esprits méchants, les mangeurs de chair, les buveurs de sang qui ont détruit justement le leadership de Brice Latouche-Alaga. Et ces gens-là sont encore présents au sein de la structure gouvernementale, sont présents au sein de nos différentes institutions, ils sont présents au sein de nos corps de soutien, ils sont présents au sein des forces de défense et de sécurité. Brice Latouche-Alaga est un véritable patriote. Il faut que le général de brigade fasse preuve de retenue prudente, mais également de vigilance, parce qu'il y a des flèches qui sont en train de partir du nord, du sud, de l'est en ouest, les quatre points cardinaux, avec une cible bien déterminée, qui est le chef d'État. Mais nous osons croire que grâce à son système de défense et de sécurité, eh bien, il s'intégrera à bon compte. Mais il faut qu'il suive ses arrières, parce que les extrémistes étaient avec les pédégistes et les béninois, sans compter d'autres puissances étrangères, feront tout pour arriver à la déstabilisation du peuple gabonais. Mais nous osons croire que le Dieu du Gabon va continuer à préserver ce peuple-là, parce que la paix, c'est l'une de nos caractéristiques, et le Gabon doit continuer à être ce havre de paix-là, et qui constitue justement la différence avec les autres peuples de l'Afrique centrale, avec les autres peuples de l'humanité. Donc, venez nous rejoindre demain au tribunal de premier instant de Libreville, à la Cour criminelle spéciale. Nous allons apporter notre aide réfléchie à l'égard de Brice Latouche-Alaga. Et quel que soit le sort, de toutes les façons, ce sont les juges qui décideront. Voilà, merci de votre bien aimable attention. Je suis Thierry Sam David Bérakouma, communément appelé le Minotaure de la baie de Cochon, président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des États-Unis du quartier sous-intégré, chargé de la riposte de la coalition août 2025 pour Brice Côté politiquement. Merci encore. Ah, bon, les internautes me disent ici, est-ce que c'est un monologue ou c'est un débat? Non, monsieur, j'ai dit, avec David Bérakouma, c'est pas facile de faire un débat politique avec lui. Parce que c'est quelqu'un, je suis venu pour lui poser des questions, sans vous cacher, mais je suis perdu. C'est un plaidoyer qui n'a pas de nom. Voilà. Il avait promis la décision et la mort du PDG. Et effectivement, ouais. nous sommes dans la mort du PDG. Le PDG est mort. Monsieur Arima, vous faites bien le dire. Oui. Je le disais d'ailleurs après la prise de pouvoir de Brice Côté Oligui-Guevara. Oui, oui. J'avais demandé de quitter le Parti démocratique gabonais. Ouais. Parce que c'est un parti qui n'avait plus d'avenir. Oui. Et que moi, David Bérakouma, j'allais utiliser toutes les méthodes. Oui, oui. Des réponses valieuses. Des petits d'endiguement et de contentement pour démanteler le Parti démocratique gabonais. Et ça a été... Et je n'avais besoin de l'aide de personne. Et aujourd'hui, le PDG a été démantelé parce que tous ceux qui sont allés au dialogue ont opté pour une inéligibilité des candidats. Des hiérarches. Des hiérarches du Parti démocratique. Ouais. Donc, ceux-là qui ne connaissent pas jusqu'à présent, M. Eric, il faut leur tenir informé. Ouais. Que les membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais, ouais, l'ancien secrétaire exécutif du Parti démocratique gabonais, ouais, avec leurs alliés, le cercle des libéraux et réformateurs et autres, ne pourront pas participer à la prochaine élection présidentielle d'août 2023. Ils sont disqualifiés. Ensuite, pire pour eux, ils pourront pas participer à l'élection locale et législative de l'année suivante parce qu'ils sont frappés d'inéligibilité. Donc, ils ont comme ça 8 ans d'inactivité. Et les plus véreux, ils ont comme ça pour 10 ans. Donc, en 10 ans, ceux-là qui ont fait de la politique leur mangeoire, malheureusement pour eux, ils vont retrouver une nouvelle classe politique. Et sans cela, M. Rico disait que cette mesure était salvatrice parce qu'elle va permettre d'arriver à un rajeunissement progressif de la classe politique. Certainement, David Bérakouma sera le député du 1er siècle du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Pourquoi pas maire ou sénateur? Pourquoi pas Eric Otete sera peut-être le prochain sénateur du 4e arrondissement? Donc, les plateformes sont ouvertes. Ouais. C'est l'occasion de dire à toute cette jeunesse-là
de s'impliquer dans la chose politique française, le chef de l'État a balayé la route et la prochaine classe politique à venir, ce sera celle-là qui se serait très fortement engagée. Certainement, le bienvenu du temps, Éric Otete, Nicolas, d'ailleurs, Nicolas est sorti deuxième lors de l'élection locale est passée. Donc, vous imaginez, sans enfant, Nicolas a pu occuper la deuxième place. Donc, actuellement, Nicolas serait certainement maître dans le cinquième tour. Donc, je vous encourage, monsieur Éric Otete, de poursuivre votre combat. Oui, en un mot, est-ce que par rapport à tout ça, à Teddy, on pourrait dire que Thierry Samossier, en tant qu'acteur politique, c'était un visionnaire de la vie politique au Gabon? Mais absolument, moi je suis non seulement un visionnaire, mais on m'appelle le prophète politique parce que nous avons vécu pratiquement plus de 30 ans. Ouais. Moi j'étais le plus vieux dans l'organisme socialisé du Parti démocratique gabonais avec Rano, donc j'avais plus de 27 ans. À l'Union des Jeunes du Parti démocratique gabonais. Donc j'ai gravi les échelons de manière gagnante. J'allais délégué IJPDG d'un comité, délégué IJPDG d'une section, délégué IJPDG d'une fédération. Ensuite, j'ai été élu secrétaire d'arrondissement IJPDG, ensuite membre du Conseil national. Donc j'ai fait mes classes. Et c'est pratiquement à plus de 34 ans d'apprentissage démocratique depuis 1990. Donc à 34 ans d'apprentissage démocratique, je peux me targuer de connaître tous les acteurs politiques étatiques. Je dis bien, je les connais tous. Il n'y a pas un seul qui puisse m'échapper. Je connais les fonds, je connais leur moralité, je connais leurs destinataires, je connais leurs trajectoires. Donc, c'est 34 ans d'activité politique, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ça vous donne nécessairement un certain recul, une certaine expérience, un certain professionnalisme, mais également une certaine expertise. Et c'est pourquoi j'ai décidé de soutenir Brice Couto légitimement. Parce que, vous savez, la condition antérieure disait que les forces de défense et de sécurité garantissaient le régime librement consenti par le peuple souverain. Donc les forces de défense et de sécurité étaient insérées dans la norme juridique. Et bien, ils ne pouvaient pas faire la politique. Or, aujourd'hui, avec l'enlisement de nos systèmes étatiques, avec les jeunes de classe politique qui arrivent à s'éterniser au pouvoir, mais nous avons cette vague d'histoire de démocratisation du peuple où les militaires sont obligés d'intervenir dans notre système électoral. Et c'est pourquoi vous voyez les coups d'État un peu passés par là. Et aujourd'hui, c'est le Gabon qui fait œuvre utile d'un coup d'État qui nous a permis justement de réfléchir de nouveau, de réfléchir sur notre nouveau processus démocratique en avenir, de réfléchir sur les formations politiques, de réfléchir sur le régime politique que nous voulons. Et tout ceci grâce à Brice Couto légitimement. Et on voit des véritables avancées. Donc le pays est en chantier. On voit bien justement tout ce que le général est en train de faire à l'endroit du chômage des jeunes, à l'endroit des retraités, à l'endroit des fonctionnaires. Donc, il y a une évolution positive. Et c'est dans ce sens-là que nous appelons les leaders des quartiers précaires, c'est-à-dire les quartiers malfamés, les quartiers de Mapane, de soutenir l'action du CTRI à travers Brice Couto légitimement. Et c'est notre souhait le plus immédiat de savoir qui sera candidat à l'élection prochaine de août 2025. Et nous sommes là pour préparer ce cadre formel-là de soutien du chef de l'État pour qu'il puisse avoir la légitimation du pouvoir qu'il faut, mais également continuer à parachever son œuvre qu'il a démarré dès la prise de pouvoir pour que le Gabon puisse continuer à être un Gabon en vie, un Gabon qui fait rêver, un Gabon et qui nous amène vers un rayonnement de plus en plus plausible comme d'autres pays de la sous-région. Merci, M. David Berkouman. À la prochaine. Merci, c'est moi qui vous remercie, M. Berkouman. Ah ouais.